Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur le nouvel épisode de Starbound V4 Please the Giraffe. Et donc chers amis, dans cet épisode nous allons tout simplement aller faire un petit boss. Un boss sa mère. Et pour ce faire nous allons donc aller parler à Sail, pardon j'allais complètement bugger sur le téléporteur. 4 upgrade models. Ah ben j'en ai 5. On va profiter pour faire autre chose avant, chers amis, alors. Hop là. Alors, ça c'est fait. On voit que ça a déjà grossi un petit peu, chers amis. Hop. On va aller quand même, hop, enlever tout ça. J'ai une petite idée pour l'avant. D'accord, donc j'ai gagné l'étage, d'accord, et le truc là-bas. Je vais quand même aller voir le truc là-bas, histoire qu'on voit si jamais, ça peut arriver. C'est possible. Ah, mais je suis coincé, n'est-ce pas? Je suis coincé. Hop, ça, ça fait mal. Tu peux te virer de mon écran, mot du gland. Merci. Alors. Car dans le... Ah, j'ai des chansons plein la tête ce matin, c'est violent. Faudra que j'aille mettre tout ça en... Hop, enfin je me comprends. Rien de nouveau si ce n'est ceci qui va être extrêmement utile. Je pense même qu'on va aller se le faire tout de suite. Ça va nous débloquer des crafts supplémentaires, chers amis. Vous allez voir. Hop. Hop, et le gold, il me semble. Le gold, je ne l'ai pas mis quelque part, le gold. Genre là. Pas plus de gold que ça, bah dis donc, je m'attendais à en avoir un peu plus. Bah dis donc. Je vais vite, mais je fais pas tout comme il faut. Et ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Alors, parfait. En plus, j'ai les 1000 pixels sur moi. Toi, je te mange, voilà. Et vous voyez qu'on a débloqué plein de trucs. Qu'on peut en fait directement crafter via le C. Ce qui peut parfois être très utile. Tout là-dedans par exemple. Les cheap lights, c'est toujours très utile. Et les nanowrap bandage. Hop. Par contre j'ai plus de plants de fiber, ce qui m'intrigue aussi. Voilà. Alors, on va aller voir ce boss, on a dit. Weapon testing site. Allons-y. J'espère que vous vous en souvenez, chers amis. Il est assez tricky à battre, vous allez voir. Mais je pense qu'on le... tiens, est-ce qu'on a pris des armes ou des trucs comme ça? Ah oui, on a des choses. Alors, au cas où... Mais je pense pas que ces armes-là lui feront énormément de dégâts, malheureusement. On verra bien. Alors. Voici comment on va procéder, chers amis. Alors. Ah, ça marche plus. Bon à savoir. Hop, bon. Alors, la technique numéro 1 n'était pas efficace. Le problème étant que je ne me rappelle plus de la technique habituelle. Ah oui, le bouclier. Mais le problème, c'est que je n'en ai pas, il me semble. Je ne les récupère jamais. Oh, j'en ai un, la chance. Hop. C'est pas ça la technique que j'avais utilisée dans l'autre. Je me rappelle plus c'est quoi la technique que j'avais utilisée. Ce n'est pas grave. En soi, ce n'est pas grave. On y retourne. On y retourne. Je suis curieux. Je me rappelle plus du tout de la technique que j'avais utilisée dans le précédent.
Enfin, la fois précédente. Je crois que j'avais peut-être bourré aussi. Hein. C'est possible, hein. Tout est possible, chers amis. Ah, il y avait quelque chose. Je sais plus quoi, mais il y avait quelque chose. Boum! 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 Olé! Oh, ça a touché. Oh! Oh, le sac! Oh! Oh! Oh, genre. Boum! Oh, ça c'est petit. Et oui, moi je touche. Je touche, moi monsieur, je touche, moi monsieur, je touche, moi monsieur. Voilà. Tant bien que mal. Hit protection implant. Bon, ça c'est fait. Hop. Tu m'ouvres la porte, s'il te plaît. Ah, elle est ouverte. Pardon, je crois qu'elle était fermée. Ok. On va aller sur l'autre poste. J'ai un doute. On va aller sur l'autre poste. Ça se trouve, en fait, il m'a pas donné la quête dans le présent épisode, simplement parce que j'avais... Non, même pas. Je veux dire simplement parce que je n'avais pas, en fait, enregistré la première, déjà. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Alors. Bonjour, les gens. Tu veux des strings? De la ficelle, pardon. Ouf, ouf, ouf. J'ai cru des choses, chers amis. J'ai cru qu'il me faisait des avances, mais c'était un Floran. Moon Emblem. Oh, putain. Oh, putain. Ah putain! Hop! Alors. Le liquid poison j'en ai, le cheese j'en ai pas encore. Le cheese j'en ai maintenant. J'ai pas de liquid poison sur moi. Ah, il est là. Salut! Hey l'ami! Tu aimes ça, manger des patates?
Non, apparemment ça ne lui plaît pas. Alors, remontons. Remontons. Peut-être qu'on pouvait faire le string sur place. Mince. Quel dommage. Non, le string c'est sur le rouet que j'ai enlevé. Ok, cool. Le rouet qui est dans mon cul, c'est ça? Qui est à chercher dans tout le vaisseau. Qui est qu'à sa couille. Alors, rouet. Non. Rouet. Non plus. Rouet. C'est comment c'est le bordel dans ce vaisseau? Je sais pas ce que vous en pensez. Rouet non plus. Rouet. Pourquoi je garde des armes là-dedans? Rouet, non, il allait pas être là. Rouet, peut-être là par contre. Gna 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 gna. Apparemment non. Là. Déjà fait. Alors, tentons autre chose. Ici, le voilà. Et on va le poser là. Ah, il peut pas. Là. Hop. Crac, du string. Il en fallait combien de string? D'accord. Ah oui, peut-être que c'est quelque chose qu'il veut. Quelque chose qu'il veut. Quelque chose que monsieur veut. Hop. Ça, je le retrouverai ici. Et vous voyez, c'est... Please get... Ceci. Et il me semble que ceci, je l'avais déjà chopé. Il y avait quelque chose comme ça. Non, il n'y avait pas un truc comme ça? Non, je veux pas fermer les deux portes. Non, je n'ai pas été dans un village encore. Dans un château glitch. Donc, il nous faut ça. Il nous faut un moon emblème. Et ça, je l'ai. Allons-y. Beam down. Alors, et comme toujours, chers amis, je pense que d'ici le prochain épisode, je me suis trompé de planète. Enfin, je me suis trompé sur le principe. Je pense que dans le prochain épisode, chers amis, j'irai faire quelques recherches avant de simplement partir à tout hasard sur le site que je ne sais plus. Je ne l'ai même plus dans mes onglets, donc ça va être compliqué. Mais bon, si ça doit être Starbound Map, vous mettez ça sur Google et je pense que vous le trouverez. Donc oui, on voulait aller à l'autre poste, pas aller sur la planète. Hop, c'est parti. Alors, le voilà, un ilot. C'était pas un floran, c'était un ilot. Bon, bah vaut mieux que ce soit un ilot qu'un floran, hein. Soyons clairs. Aïe, je me suis cogné, c'était violent. Par contre, ça, je suis désolé, ça fait clairement poser là, quoi. Gothic bed, gothic bookcase, gothic chair, deeds, c'est quoi deeds? Colony did. Ah oui, exact. Ça faudra qu'on le fasse aussi. Featured. D'accord. Gothic candle. Ça c'est cool. Ça aussi c'est cool. Bon, tout ça c'est sympa. On avait eu le masque en dessous. Alors c'est con à dire, mais je serais curieux d'aller voir. Aïe. Y'a rien de plus par là? A tout hasard. J'aimerais récupérer mon grappin, s'il vous plaît. Hop. Pas pourquoi je me dis qu'il pourrait y avoir quelque chose, quoi. Non? Bah alors? Ça y est. Aïe. 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 Non, apparemment, y'a rien. Hein. Ce serait un tour de con, chers amis, comme on dit. Hop. Oh, j'ai bien fait. Je me rappelais pas en plus de ce truc là. Ouf. La moule. Là c'est de la moule. Ok. Ah la vache. Je stresse tellement que je fais le double saut à vitesse grand V. Alors, on se trouve à la porte, c'est parfait. Return to gate.
Hop. Ah bah d'accord, il a fait même pas la gate. Ah bah oui, parce que j'y étais pas justement à la gate. Haha, d'accord. Ok, je comprends mieux maintenant. Bon. L'épisode est assez court, chers amis. Je m'attendais pas à ce que le boss soit battu aussi rapidement. Qu'est-ce qu'on a là? Je me rappelle plus. Ça, je l'ai fait. Le pixel compresseur, ça m'intéresse pas. Créature capture spot. Non plus. Vraiment, il va falloir que je fasse du rangement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah si, on peut se déplacer sur un... Alors déjà, on va aller voir aussi si on n'a pas des nouvelles techs. Ah! Alors, on commence par ça. Ensuite, on a le light rig, le fameux light rig qui peut être intéressant. Gravity Bubble et le Rock and Jump, non. On va mettre le Hit Protection. Le Bouncy est intéressant aussi, on va le prendre. Mais on ne l'équipe pas. Pourquoi? Parce qu'on avait vu des zones de challenge avec nécessité d'avoir cette Morph Ball. Morph Ball qui normalement lâche des bombes, mais elle ne le fait plus apparemment. C'est pas grave. Donc on va se diriger vers une nouvelle étoile. Une Fiery. Blah. Rototo. Dead Planet, Dead Planet, Dead Planet. On va prendre la grosse, tant pis, hein. On tente le coup avec la grosse. Hop! Et nous sommes partis. Et B. C'est qu'on en fait du chemin, chers amis, dans ce jeu. Et on y va assez vite. Je dois reconnaître que cette fois-ci, le playthrough va très très vite. N'hésitez pas à me dire s'il va trop vite. De toute façon, je reviendrai sur. Je préfère encore faire du. Vous savez, du. Bah, du endgame assez long. Finir l'histoire rapidement et faire du endgame sur le serveur assez long. Que l'inverse, en fait. Alors. Bah, nous voilà arrivés. Si c'est pas bon, tout ça, chers amis. Alors, hop, allons faire un petit tour. Ah non, 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 non. Nova Kit Flag, il me faut donc du copper et de la fabrique. Copper, j'en aurai à chier. Fabrique, par contre, ça va être beaucoup plus compliqué à faire. Vais pas en faire 100, mais je vais pas en faire 100, je vais en faire 50 déjà. Hop. Moi qui pensais le trouver facilement. Hop, non, on recommence. On va mettre Nova. Oula. Nova, ça devrait suffire. Voilà. Et crac. Quoi, deux? Comment ça, deux? What? Ah oui! Ah oui, j'avais oublié. Alors pourquoi il coûte plus cher, chers amis? Tout simplement parce qu'en fait, on peut s'y téléporter maintenant. Vous allez comprendre. Bah écoutez, je vais en faire qu'un. Oh là là. Et je vous montrerai. Si jamais je sens la mort arriver, par exemple, je... Bah non, je sais pas, on verra bien. On verra bien. Beam down, on verra. Oula, oui, j'avais complètement zappé ça et je comptais me servir de ces drapeaux, mais en fait non, ça va me coûter beaucoup, 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 beaucoup trop cher. Ça c'est clair, ça va me coûter énormément cher. Alors. Je vois déjà un potentiel agresseur. Non, c'est bon. C'était quelque chose devant. Oula, il va falloir faire très attention entre ce qui est devant et ce qui est derrière. Hop, les, comment je l'ai bouffé. Oui, c'est une plante de Mario. D'accord, donc c'est ça qu'ils font. Ça y va les textes. Non, ça doit être des mails, ça plutôt. Ouais, c'est un mail. J'ai répondu à vos commentaires ce matin, du coup forcément j'ai plein de mails. C'est normal. N'hésitez pas à me poser des questions vis-à-vis des jeux hein, auxquels je joue. Putain, j'ai ma chaise qui craque, je sens que je vais tomber par terre, ça va mal finir. Ah, des bananes. Tu veux manger des bananes? C'est bon à manger des bananes. J'ai de la régène en plus. Ça, c'était un piège.
Faut que j'en change de chaise, nom de Dieu. Dites-vous que j'ai plus de dossier, chers amis. Le dossier de ma chaise, vous savez, c'est des chaises repliables, normalement, bon, assez stylées quand même, qui ont des trucs plastiques assez stylés, genre London, tout ça. Et donc, du coup, bah, la chaise, le dossier avait déjà été réparé une fois à coup de bricolage, on va dire. On va pas aller plus loin. What? La tempête de neige me ralentit? Seriously? Par contre, ça serait bien qu'ils ralentissent aussi les PNJ. Regardez la neige qui s'accumule! C'est pas magique! Ah oui, il y avait l'objet pique à glace. Ah bah on comprend mieux maintenant son utilité. Ah moi je la comprends. Vous, je sais pas. Normalement oui. Waouh, comment c'est chaud à grimper. Même Batman il en chie quoi. Eh parce que Batman il est son grappin aussi. Waouh. C'est pas comme si j'allais dans le mauvais sens en plus hein. Faire comme sous terre, on va se tirer. Oh nom de Dieu. C'est une tempête de sable en fait, c'est pas une tempête de neige, je suis con. Ça pouvait pas être une tempête de neige. Waouh, excellent, c'est génial, j'adore. Enfin quelque chose de vraiment réaliste. Même avec mon grappin, j'ai pas réussi à aller assez bas. C'est violent. Est-ce que ce monde est sérieux? Pourquoi elle est profilée pour aller plus vite que moi? Oh, par contre, ça c'est sympa. Faudrait que je tue peut-être un peu plus de monstres. Ça pourrait être sympa. Hop. Allez, grimpe. Allez. Allez. C'est bien. Ouh, un coffre. Oh, ça peut être intéressant ça. Alors par exemple, une des mises à jour prochaines du jeu, c'est une mise à jour de combat. Donc chacune des armes aura en fait des capacités qui lui sont propres. En l'occurrence, certains bâtons par exemple pourront... Ah parfait, je retrouve mon... Pourront par exemple tourner autour de nous. D'autres laisseront des traces qui feront office de bouclier et de forme défensive. De forme offensive justement. Oh pardon. Non. Hé hey. What? Je suis gentil, j'ai rien fait. Je vais crever. Parce que je trouve pas ce que je cherche. Bon, on va prendre ça, tant pis, c'est pas grave. Eh ben, j'ai plus rien pour me heal, chers amis. Hop. Heureusement. Vous allez pouvoir le voir tout de suite. J'ai des bandages. Et même quelques nanocraft bandages. Si je peux les avoir sur moi, ce serait cool, mais que je les ai craftés. Hop. Comme vous voyez, c'est assez efficace. Ah mince. Elles avaient vu comme... Ah non, là j'y suis. Et là, je n'y suis plus, vous voyez. Je suis à l'abri. Ah, c'est génial. C'est vraiment génial. Par contre, le garde, du coup, il est... Ah, c'est cool. Par contre, je vais pouvoir tenter de trouver ce que je cherchais depuis si longtemps. Raté. Ok, ça c'est fait. C'est une longue. Pourquoi pas. Oh, ça par contre ça fait du bien par où ça passe. Ok, je lui ai mis sa misère. Alors
Je m'en doutais qu'il allait y avoir une chier de choses à aller choper là-dedans. Hop. On vire les 2-3 armes moisies que j'ai sur moi. Car oui, j'en ai, hein, des armes moisies. Le voilà, le fameux objet qu'on cherche. Ah, il est pas doué, le roi, hein. Dégage, 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 dégage. What? Il est pas doué mais il fait mal. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez aussi retrouver donc dans le groupe Steam, l'adresse du serveur, l'adresse IP du serveur, donc Starbound, donc dédié à la chaîne et donc à mes chers viewers. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.